Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo introductive du cours marketing de base. À travers cette capsule, nous allons essayer de vous familiariser avec le concept de marketing de manière générale. Nous proposons à travers ce cours une exploration des fondements du marketing de base. Nous examinerons tout d'abord comment le marketing permet la création de valeur pour le consommateur et pour l'entreprise à travers l'exploration de son environnement et aussi à travers l'étude du marché de l'entreprise et bien sûr l'étude du comportement du consommateur. Nous analyserons par la suite comment les entreprises définissent leur démarche stratégique en déterminant les marchés cibles pertinents et bien sûr en déterminant un positionnement concurrentiel efficace. Nous discuterons enfin de la façon dont cette démarche stratégique peut se traduire à travers, bien sûr, les politiques de produits, de prix, de distribution et de communication qu'on appelle aussi mix marketing ou les 4P. Donc, pour introduire le concept marketing, il est judicieux de clarifier quelques points importants au sujet du marketing. En effet, plusieurs personnes ont souvent une vision assez étroite et limitée du marketing. Il y en a qui pensent que, par exemple, le marketing est le fait de vendre des produits ou services de l'entreprise. D'autres pensent que le marketing est le fait de réaliser des campagnes de communication et des campagnes publicitaires. Or, cela est faux. Certes, ils en font partie, mais le marketing n'est pas que de la commercialisation et n'est pas que de la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que au sein de l'entreprise, le marketing est l'une des fonctions principales, à l'instar des autres grandes fonctions comme la production, la finance, les ressources humaines, la recherche et développement et bien d'autres. Et à son tour, le marketing inclut plusieurs activités, la promotion des ventes, la publicité, la distribution, les relations publiques, etc. On peut dire tout simplement que le marketing, à travers ses différentes activités, relie l'entreprise à son marché. Donc, et pour conclure cette vidéo introductive, le marketing peut être présenté comme une philosophie managériale et comme un processus continu qui consiste à détecter les besoins et désirs des consommateurs sur un marché afin de pouvoir par la suite leur proposer une offre de valeur qui répond à leurs besoins présents et latents. Voilà, nous arrivons à la fin de notre partie introductive. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis et suggestions via commentaires sous la vidéo et aussi vos questions. Je vous remercie et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.